Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. Ce qui suit est la parole de Dieu. Waouh, vous voyez les fleurs sont jolies. Mais la parole de Dieu aussi, c'est très beau, c'est très important. Alors je te laisse l'écouter. Prends également ta Bible, tu peux aussi suivre, étudier la parole de Dieu entière sur la chaîne Nance Reborn. C'est pourquoi je te demande en même temps, abonne-toi dessus cette vidéo, active la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo, la prochaine parole qui va sans doute te faire plaisir, t'aider et sauver ton âme. Bon visionnage à tous et je vous dis à bientôt sur Nance Reborn pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Psaume 14, au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.